L'UTN de la DAI, on en a parlé aussi lors de nos derniers entretiens. Alors là, c'est un projet assez important qui tenterait à réhabiliter pratiquement intégralement, en tous les cas en grande partie, à la fois les traversées de la DAI, mais aussi des projets immobiliers et ceux des remontées mécaniques. On en est où dans ce projet de la DAI ? Alors, projet UTN de la DAI, autre gros projet pour notre municipalité. Aujourd'hui, ça passait d'abord par un problème au niveau du PPRN. Donc, c'est le plan de prévention des risques naturels qui était essentiel parce que aujourd'hui, il y avait un plan, un PPRN sur l'ensemble du domaine de Val d'Isère, sur la DAI, mais il n'y avait pas de zonage entre la zone du Cray et de la DAI. Donc, pour avancer sur tout l'aménagement de la plaine de la DAI, il fait d'abord que l'État zone au niveau des risques naturels ce secteur. Donc nous avons une réunion il n'y a pas très longtemps, il y a moins de 15 jours au niveau de la sous-préfecture. On a réuni l'ensemble des services de l'État. Ils sont nombreux, hein, les services de l'État. Dès qu'on arrive là-bas, il y a toujours au moins 20 personnes autour de la table. Difficile de discuter donc. Non, on a pu discuter. Aujourd'hui, moi, ce qui est bien, c'est qu'on a mis un vrai calendrier. Donc aujourd'hui, il y a l'ensemble des services de l'État qui vont retravailler sur ce secteur qui est d'abord... qui est indispensable avant de tous les projets immobiliers, il faut d'abord que les risques naturels soient clairement identifiés. Donc aujourd'hui, les services de l'État ont pris l'engagement de nous faire un vrai plan de zone de risque naturel sur ce secteur pour la fin de l'année 2012. Donc chronologiquement, on a dit maintenant, on privilégie la zone du coin, on se bat pour que la zone du coin sorte dès le printemps 2013. La zone de la DAI viendra derrière parce qu'il faut d'abord qu'il y ait un PPRN qui soit arrêté par l'État à la fin de l'année 2012. Il sera pris en compte par les services de la mairie au deuxième trimestre 2013. Donc dans notre ordre de marche, on va d'abord travailler sur le coin tout de suite et juste derrière, on embrayera sur la zone de la DAI.